Bonjour et bienvenue au balado aux couleurs de la Matawinie culturellement nous. Ici Jo Bocan, votre hôte pour les prochaines minutes. Je vous invite à nous rejoindre pour un voyage captivant à travers l'histoire, les arts, les traditions et les trésors cachés de la MRC Matawinie. Au fil des épisodes, nous partirons à la découverte des artistes locaux passionnés, des gardiens du patrimoine ancestral et de tous ceux et celles qui contribuent à faire de la MRC Matawinie un véritable joyau culturel. Tout ça à travers la voix des maires et des mairesses des différentes municipalités qui la composent. Bon, attachez vos écouteurs et préparez-vous à plonger dans une aventure sonore qui vous fera ressentir la passion et la fierté que les habitants et habitantes de la MRC Matawinie éprouvent pour leur culture. Alors, commençons ce voyage ensemble. La Matawinie, le nord de la Naudière, là où le « Osez grand, vivez grand » prend tout son sens. Une région réputée pour son authenticité et ses grands étendues vertes. La vision de cette MRC, rassembleuse par sa nature et forte par ses traditions, vise l'excellence et aspire à faire de la Matawinie un milieu de vie durable, inclusif et attractif où il fait bon vivre. Laissez-nous vous présenter, par cette entrevue avec Edith Gravel, directrice générale, et Isabelle Perrault, préfet de la MRC Matawinie, comment la culture influence ce beau territoire. Donc, le rôle de la MRC Matawinie, en fait, c'est de soutenir les municipalités à l'égard de différents mandats, d'offrir des services de proximité, d'offrir de l'accompagnement, une expertise parfois technique, parfois plus en mode de collaboration. Donc, la culture entre dans notre coffre à outils là, qu'on développe avec le conseil de la MRC, mais aussi avec les équipes internes chez nous. Donc, notre rôle vraiment est de faciliter la mise en œuvre souvent de grandes orientations du gouvernement, mais qui doivent trouver leur écho sur un territoire très concrètement qui fait face à ces défis, à ces enjeux. Donc, la MRC est ce merveilleux lieu de concertation régionale qui permet de faire atterrir parfois des idées, des grandes idées, des grands principes, des grands concepts, mais plus concrètement sur un territoire. Puis, la MRC comme organisation municipale, bien, regroupe justement cette expertise-là dans différents domaines, dont en culture, pour accompagner, soutenir nos municipalités dans la mise en œuvre de leur politique ou dans la mise en œuvre de leurs projets très, très concrets. Mais c'est quoi la définition de la culture pour la directrice générale de la MRC Matawinie? Bien, en fait, la culture, pour moi, c'est vraiment notre lien au territoire un peu intangible. Donc, on sait qu'on appartient à un territoire, à un groupe de gens, et que ce soit par les arts oraux, la tradition, notre histoire, notre patrimoine immobilier, notre patrimoine gastronomique. Donc, c'est très, très intangible, la culture, mais en même temps, c'est ce qui nous permet souvent de nous définir puis de nous sentir bien dans un lieu puis de se sentir ancré sur ce territoire-là. Edith a tout à fait raison quand elle dit que la culture permet de s'ancrer. Elle joue un rôle essentiel pour aider les individus et les communautés dans la construction et le maintien d'un sentiment d'appartenance. La culture est souvent un élément clé de l'identité individuelle et collective. Les traditions, les coutumes, la langue, l'art, la musique et d'autres formes culturelles renforcent les liens. La culture conserve la mémoire collective d'une région. En se connectant à ce patrimoine, les habitants, les habitantes se sentent liés à leur territoire et à son histoire. La culture, ça rime souvent avec fierté locale et c'est un moteur d'économie quand on pense au tourisme, par exemple. C'est au fond ce que cette série de balados souhaite démontrer.
C'est intéressant de comprendre les objectifs et la vision de la MRC Matawinie en ce qui a trait à la culture. En fait, je pense que pour la MRC Matawinie, les priorités en matière de développement culturel et artistique, c'est vraiment de voir la culture comme un lien transversal entre nos grands attraits que sont la nature, les lieux, les paysages. Donc, la culture doit se refléter à travers ces grands attraits naturels-là qui caractérisent vraiment le territoire de la MRC de Matawinie. Alors, c'est de voir comment on peut être en complémentarité avec nos grandes priorités, nos grandes orientations de mise en valeur de notre territoire, de nos attraits, mais toujours avec cette touche-là culturelle qui nous définit, puis par lequel on se reconnaît, puis que justement on se sent ancré dans le territoire. La préfète nous parle quant à elle de leurs priorités et des actions mises en place. Bien, premièrement, on a la volonté de renouveler notre politique culturelle là, qui date un peu. Lors des Lacs à l'épaule, des grandes priorisations du Conseil des maires, bien, c'est de devenir un ambassadeur de notre culture. C'est notre mission. Donc, la politique culturelle, bien entendu. On a, comme le disait si bien Edith, un territoire vaste de nature. Donc, miser aussi sur la saisonnalité de notre territoire et puis de comment on vit la culture à travers les saisons, ça serait aussi une belle piste là, pour y arriver. Ensuite de ça, bien, tout notre développement touristique, notre développement économique doit inclure, et social aussi, doit inclure le volet culturel. Et c'est en soutenant les municipalités, en ayant par exemple un agent culturel à la MRC et s'assurer là, qu'on ait les moyens de nos ambitions pour donner à la culture, notre culture matawinienne, tout l'essor dont elle a besoin. Pour être proactive sur son territoire et répondre concrètement aux besoins du milieu, la MRC Matawinie peut compter sur différents partenariats, ententes et collaborations. Un fonds des événements est notamment en place et est grandement sollicité. Une étroite collaboration avec l'organisme régional Culture Lanaudière est aussi précieuse pour que les organismes et artistes matawinois soient bien représentés et outillés dans leurs pratiques. Depuis plusieurs années, le Conseil de la MRC consacre une enveloppe financière pour soutenir les projets, les événements à caractère culturel sur notre territoire. On a même vu au fil des derniers mois une recrudescence des demandes. Donc, on sent là, que la MRC accompagne bien les initiatives qui sont présentes sur notre territoire. Puis, on parle de grands festivals, de grands événements comme la Coupe du monde en ski acrobatique, mais on parle aussi beaucoup des marchés publics, des initiatives un peu plus locales, mais qui permettent, comme on le disait d'entrée de jeu, de faire rayonner notre territoire à différentes échelles, puis selon différentes facettes aussi, autant que ce soit sportif, culinaire, gastronomique, en termes paysagers. Donc, notre fonds, c'est vraiment notre outil principal pour accompagner les différents promoteurs, municipalités, organismes sur notre territoire. On est aussi en entente avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, donc le CALQ, qui nous permet là, de financer, de soutenir des initiatives en culture sur notre territoire, notamment auprès des différents artistes présents là, dans nos municipalités. Mais qu'en est-il du patrimoine dans la MRC Matawinie? C'est ce qu'on a voulu savoir et la réponse de nos deux invités donne le ton pour les prochains entretiens dans lesquels on approfondira les différentes formes d'héritage léguées par les générations qui nous ont précédés. Bien, en fait, c'est la mémoire collective, d'où on vient. Aussi, il y a des attachements assez particuliers. On le dit, c'est pas égal partout, mais je pense, entre autres, dans certaines municipalités, la villégiature s'est beaucoup développée dans les années 50, 60, où est-ce que la religion était très présente. Donc, il y a des petits bijoux un peu partout sur le territoire de patrimoine culturel important. C'est important pour les gens à qui ça touche, mais c'est aussi important pour bien comprendre comment s'est développé notre territoire, bien comprendre comment s'est développée notre façon d'y vivre aussi sur notre territoire. La discussion s'est poursuivie en répondant à la question suivante. Comment la MRC de la Matawinie encourage-t-elle la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et historique
de la région. Oui, en effet, on est présentement dans une démarche de concertation avec nos municipalités locales et le ministère du Conseil, ministère de la Culture et des Communications pour bien identifier nos lieux patrimoniaux là, sur le territoire et trouver une façon de mettre en valeur ces lieux-là. Mais la première étape, évidemment, c'est de les connaître, de comprendre en quoi ils ajoutent une plus-value à la mise en valeur de notre territoire. Puis ensuite, en ayant de meilleures connaissances, de voir comment on peut les intégrer dans cette fameuse mise en valeur touristique-là qu'on tente de faire, notamment par le rayonnement de nos grands attraits naturels. Donc, comment il peut avoir cette complémentarité-là. Donc, c'est une démarche qui est présentement en cours, qui vise là, la réalisation d'un inventaire du patrimoine immobilier. Puis ensuite, comment on pourra mettre en œuvre différentes actions pour que le patrimoine, un, on le connaisse mieux, puis deux, on fasse en sorte qu'il contribue à notre rayonnement de la région. Il va de soi qu'au cours de cette série balado, le patrimoine sera un sujet récurrent. On abordera assurément le patrimoine naturel, qui est caractérisé par une nature luxuriante, des lacs, des rivières et des forêts. On parlera aussi du patrimoine bâti, parce que la MRC Matawini possède une histoire riche en culture québécoise. Plusieurs villages et localités de la région ont préservé leur caractère historique. On abordera aussi le patrimoine artistique, car la Matawini a été et demeure un lieu d'inspiration pour de nombreux artistes, écrivains et musiciens québécois. Pour conclure cette rencontre, on a questionné Edith et Isabelle au sujet des prochains projets de la MRC. En fait, je pense que ça va être de continuer dans l'optique de mettre la culture au cœur de la grande vision du Conseil de la MRC, qui est de mettre en valeur son paysage, ses attraits naturels, mais de trouver comment intégrer, mettre en lumière la culture qui nous caractérise si bien puis qui fait qu'on se sent bien sur ce territoire-là. Donc, de développer davantage le réflexe lorsqu'on planifie des grandes infrastructures touristiques, récréatives, à l'échelle régionale, locale, de toujours avoir cette conscience-là. Mais comment je pourrais donner une plus-value à ce lieu-là, à cet événement-là, à cette activité-là, en me donnant une couleur culturelle Matawini? Puis je pense que c'est ce qui va faire rayonner notre culture là, sur notre territoire. Oui, puis ça rend de cette façon-là aussi accessible la culture quand elle est visible, quand elle est intégrée à notre paysage, à notre vie de tous les jours. Et ça embellit aussi notre noyau villageois, nos aires où est-ce qu'on vit. Donc, embellissement, accessibilité par la culture, c'est aussi une façon que la MRC pourrait être soutenante. Et voilà, chers auditeurs, auditrices, nous voici arrivés au point de départ d'un voyage extraordinaire à travers la Matawini. La rencontre avec Isabelle et Edith a véritablement mis la table pour une saison complète de découvertes, d'émerveillement et d'inspiration. Merci à la MRC Matawini pour cette collaboration enrichissante et à vous, chers auditeurs, auditrices, de nous accompagner dans cette aventure. Que ce podcast vous permette de découvrir toute la splendeur et la diversité de la Matawini et qu'il vous inspire à explorer cette région magnifique. Ce balado est une coproduction de la MRC Matawini et de Culture Lanaudière. À l'animation, Joe Beaucan. Au thème musical, Sébastien Sauvageau. À la scénarisation, aux recherches et aux entrevues, Kathleen Chagnon et Maude Desjardins. Un merci spécial aux Crapauds et à la ville de Saint-Félix-de-Valois de nous avoir reçus dans leurs locaux.